risque d'avoir un petit peu mal aux oreilles. Non, mais voilà, et donc on a souhaité vous avoir tous les deux pour avoir d'une part une explication de où est-ce que nous sommes, quel est le projet Darwin un peu plus largement, qu'on comprenne bien l'état d'esprit de ce lieu et du projet qu'il y a derrière. Et puis Cécile, parce que tu as fait une intervention très intéressante aux rencontres de Pétrarque, on a trouvé le podcast sur le site de France Culture. Mais on aurait bien aimé l'entendre de ta bouche et puis entendre peut-être ce qui peut en sortir de vos expériences très complémentaires. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à Darwin, donc. Je suis ravi que vous ayez choisi de faire cet écolocamp ici, parce que ce lieu est destiné à ce genre de brainstorming d'idées, de diffusion, de réflexion autour de l'écologie et de la transition. Donc je suis ravi qu'il puisse servir à ça, comme il était destiné à l'origine. Alors, en quelques mots, c'est toujours très difficile de résumer Darwin, parce que c'est une initiative, un lieu qui, dans lequel convergent un certain nombre de dynamiques très différentes, et qui pourtant fonctionne plutôt bien en synergie. Et pour faire court, on va dire qu'on est sur un lieu qui a été créé avec trois fondamentaux forts et qui sont toujours d'actualité et qu'on consolide chaque jour. Le premier fondamental, c'est celui de la coopération économique. Ici, c'est un lieu d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat social, mais pas uniquement. Entrepreneuriat au sens large, où on a développé des commerces responsables. Vous l'avez peut-être vu, une épicerie bio, un restaurant qui sert quasi exclusivement des plats bio également, mais aussi un lieu de coworking où se sont installées une centaine d'entreprises bordelaises, mais aussi parisiennes, qui sont installées, il y en a de plus en plus, et qui regroupent 350 personnes qui, au quotidien, travaillent ici dans l'économie verte et l'économie créative. Et la volonté, ce n'était pas de mettre, comme dans un hôtel d'entreprise, chacun dans son coin, chacun dans son business, en essayant de survivre, parce que les temps sont durs, mais au contraire, de jouer à fond la carte de la solidarité, la carte de l'entraide, la carte du collaboratif. Et on essaye, par l'agencement des lieux, réussi, je pense même, parce que visiblement ça fonctionne, de stimuler les coopérations économiques, tous azimuts, entre tous ces acteurs-là, qui illustrent à leur façon une attention aux impacts sociaux et environnementaux de ce qu'ils font. Donc on essaie de regrouper tous ces acteurs engagés, responsables dans un lieu et leur permettre de collaborer ensemble pour consolider leur parcours et leurs initiatives. Donc ça, c'est la coopération économique et ça s'illustre donc par notamment les étages que vous pourrez visiter si vous le souhaitez, où sont installées ces entreprises dans des lieux très ouverts et aménagés avec essentiellement des matériaux recyclés. Deuxième chose, et ça c'est mon dada et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé avec d'autres ce lieu, c'est la transition écologique. Vous voulez essayer de faire la preuve, même si à mon sens c'est un peu illusoire, mais de concilier ou de découpler développement économique et impact écologique. On sait que c'est très compliqué, que la croissance sont liées indubitablement des émissions de gaz à effet de serre, qu'on produit toujours plus de déchets lorsqu'on se développe, mais on voulait en tout cas essayer de faire moins pire, comme on dit ici. Donc essayer d'être attentif à la fois sur l'énergie, sur l'eau, les déchets, les déplacements, l'alimentation, la santé, à la façon dont ces collectifs d'acteurs travaillant ensemble ici pouvaient minorer leurs impacts. Et donc on a mis en place tout un tas de choses, depuis la conception du bâtiment, dans sa rénovation, jusqu'à la maîtrise de ses usages, pour faire en sorte que tous ceux qui l'occupent, le vivent, ben, soient très attentifs à tout ça, et aient une conscience permanente de cet enjeu, qui pour nous est vital et au cœur de la démarche. Alors ça passe par des choses très concrètes. On est sorti du nucléaire, je pense que ça va plaire à certains d'entre vous, puisqu'on est aujourd'hui fourni exclusivement par l'électricité verte d'Enercop, dont on est l'un des premiers clients au niveau national. Ça s'est imposé à tous nos locataires, par exemple. On va produire notre propre énergie électrique aussi par une toiture photovoltaïque financée grâce à l'aide de la NEF, mais par une aide aussi du Conseil régional d'Aquitaine. Et on va être en autoconsommation, c'est un des premiers projets dans le tertiaire qui permet ça. On récupère nos eaux pluviales pour alimenter les sanitaires. On recycle une vingtaine de filières de déchets différents, depuis le compost des déchets organiques de nos commerces jusque, je dirais, au bois qu'on récupère pour faire des meubles, ou jusque le verre, le papier, tous les déchets tertiaires qui se trouvent des filières de valorisation spécifiques. En gros, on n'est pas encore tout à fait dans nos objectifs, mais l'enjeu, c'est que d'ici 2 ans, on ne remette plus rien à la voirie. C'est-à-dire qu'on ait trouvé une solution alternative à l'enfouissement, à l'incinération, pour 100% de nos déchets. Donc zéro waste, comme on dit aujourd'hui, zéro déchet, c'est aussi un enjeu très fort chez nous. Et on essaie d'embarquer tous les entrepreneurs du coin qui sont ici. Vous imaginez que c'est compliqué, ils ont aussi leur propre contexte, le business as usual, l'urgence économique, aussi assurer les emplois. Et essayer de les amener progressivement dans cette démarche de progrès, grâce à des outils, notamment numériques, parce qu'on développe notre propre application, bientôt opérationnelle, qui permet
qui permettra à tout un chacun sur le lieu de mesurer concrètement l'impact écologique de ses actions au quotidien. Tout ça grâce à une logique de gamification, de ludification, par le jeu, par la data visualisation et par la mesure au quotidien de ces impacts écologiques. Et le troisième fondamental, je vais faire plus court, c'est les cultures urbaines. On est un lieu d'expérimentation, un laboratoire d'initiatives sociales et écologiques. Et celle-ci, elle s'exprime au travers d'actions éphémères et ponctuelles qui sont événementielles chez nous. Il y en a beaucoup, ceux qui sont bordelais savent qu'il se passe beaucoup de choses ici. L'Open Bedouin Camp, le Salon Emmaüs, tout un tas de concerts, des choses comme ça qui véhiculent ces valeurs. Mais au-delà de ça, il y a aussi une vingtaine d'associations soutenues par une petite fondation qu'on a créée qui gravitent dans la friche. C'est le skatepark, c'est la ferme urbaine, c'est le BMX park, c'est le bike polo, c'est des graffeurs, c'est tout un tas d'autres initiatives, le village des Tétrodons, tout un tas de choses qui font que se croisent ici et convergent des gens qui partagent généralement une vision de la société commune et qui peuvent l'expérimenter ensemble tout en venant de cercles très différents. Puisqu'avant, les entrepreneurs ne côtoyaient pas forcément des militants écolos, ne côtoyaient pas des skateurs, ne côtoyaient pas des élus qui viennent souvent nous voir parce que ce lieu comme un ovni mais aussi une source d'inspiration. Des archives, des urbanistes, tout un tas de gens qui justement trouvent ici un point de convergence. Et ça qui est intéressant, c'est ce décloisonnement, cette transversalité. Voilà, en quelques mots, c'est un peu court, sans doute un peu jargonique, conceptuel, mais c'est aujourd'hui une vraie réalité, 350 personnes au quotidien, 500 à 1000 visiteurs par jour, et un vrai dynamisme économique et associatif. On reviendra au fur et à mesure. Donc on reviendra un petit peu sur le projet au fur et à mesure de l'après-midi. Il faut enchaîner, c'est un test, hein. Toujours le test de rentrée. Alors, d'abord je vous remercie de votre invitation. Oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans l'écolocamp, c'est qu'on est à la fois traditionnellement les écologistes très sensibles à toutes les nouvelles technologies, très early adopteurs quand on parle en anglais, et en même temps on se questionne sur ces sujets-là. Je pense que c'est la meilleure des stratégies. C'est de ne pas y être réfractaire, mais de se poser des questions. Et moi, je vais essayer de faire le lien avec ton intervention en disant, sur la question du progrès, en étant ici, dans quel endroit on se trouve? On se trouve dans une ancienne caserne. Dans une ancienne caserne qui, si je ne me trompe pas, a été construite au moment de la guerre franco-prussienne, sous l'égide de Napoléon, avec un état d'esprit dont j'imagine que si les fondateurs revenaient ici, ils se poseraient quand même un certain nombre de questions. C'est-à-dire qu'ils ont construit cette caserne, ils l'ont construit, si vous avez vu les bâtiments, il faut que je rapproche, pardon, de très grande qualité, y compris architecturale, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a été sauvée, en se disant absolument pas une seule seconde qu'un jour on ferait du BMX sous les Halles, même si je ne suis pas sûre que la partie dans laquelle on se trouve soit napoléonienne. C'est un peu plus récent. Mais je dis ça parce que pour moi c'est totalement lié à cette question de progrès. C'est-à-dire que parfois, il y a des richesses insoupçonnables et des évolutions possibles qu'on n'imagine pas. Et que souvent on croit, et on a été abreuvé à cette idée, notamment pour toute une génération qui est née dans les années 70, à dire que le progrès c'était linéaire, qu'on faisait jamais marche arrière, et que faire marche arrière était un signe de rétrogradation sociale. Et que donc il fallait sans cesse aller de l'avant sans se poser de questions, avec une logique qui a été extrêmement consommatrice, consommatrice en ressources naturelles, et qui même était en elle-même un signe de progrès. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je pense, et c'était le débat effectivement des rencontres de Pétrarque, qu'il faut s'interroger sur cette notion, c'est que par exemple, tout jeter dans une poubelle, voire dans un vide ordure, c'était le progrès. En quoi c'est mieux de dépenser de l'énergie pour brûler des pelures de pommes de terre? Franchement, la question se pose, mais c'était perçu comme un élément de progrès. C'était la vie moderne. Et donc c'est pour ça que je crois que la responsabilité des écologistes, et même peut-être des humains du XXIe siècle, c'est de ne pas être opposé à cette idée de progrès, même si j'étais trop sensible au livre de Jean-Paul Besset qui dit « Comment ne pas devenir, comment ne plus être progressiste sans être réactionnaire ?» C'est parce que toute la question qui se pose est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ce mot progressiste. Parce qu'en même temps, on considère aussi que fait partie du progrès tout ce qui participe de l'émancipation des individus, des hommes, mais aussi et particulièrement des femmes. Et donc, en fait, je pense que notre sujet, c'est moins de se positionner par rapport au terme même de progrès, c'est-à-dire est-ce que les écologistes refuseraient le progrès, accepteraient le progrès, questionneraient le progrès, mais plutôt de savoir comment on le nourrit. Et c'est-à-dire comment aussi on arrive à inventer une idée de progrès, et je pense que c'est ce qui contribue à être inventé ici, qui est capable de remettre en cause ce qui était considéré comme un progrès précédemment. Je ne sais pas si c'est pas
un peu abscons ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que cette question de l'amélioration sans cesse de notre capacité de vie sur Terre est une question qui doit être permanente. Elle s'accompagne du confort, évidemment, parce que quand même l'histoire de l'humanité est de ne plus vivre dans des grottes et de ne plus avoir froid, d'avoir moins faim. C'est une histoire d'amélioration de notre condition, de trouver plus de sources de satisfaction. C'est ce qui meut l'être humain, à part quelques grands sages qui ont en capacité de dépasser leurs propres désirs, mais ça, c'est pas le plus fréquent. Et donc, pour moi, c'est ce sujet-là qui est intéressant. Et pour ça, ça nécessite, et c'est ce qui, je pense, est très utile de ce qui se passe ici, c'est de déringardiser, si je suis un peu brutale, l'écologie. C'est-à-dire que oui, trier ses déchets, considérer que on va pouvoir réutiliser, recycler, ça paraissait, si je suis là aussi un peu brutale, triste et un peu pas marrant. Et qu'il y a un renversement qui est en train de se produire et qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Et qui, justement, se fait parce qu'on est capable d'avoir une vision qui n'est pas une vision sectorielle, mais de bien de mixer les activités, les moments de la vie, les sources de satisfaction, de considérer aussi que son travail peut être une source de satisfaction, ce qui est quand même là aussi très particulier. Le progrès, historiquement, c'est l'idée de trouver des solutions qui soient des solutions qui pèsent moins sur les êtres humains, notamment dans le recours à leur force physique. Enfin, ça a été tout le progrès du XXe siècle, la mécanisation, et donc la libération des tâches ménagères, des tâches agricoles, des tâches industrielles, qu'ensuite, on n'aurait plus besoin de faire, alors même qu'il peut y avoir une vraie satisfaction dans la réalisation de travaux, qu'ils soient manuels ou intellectuels, et aussi une intelligence de la main, une intelligence de l'adaptation, une intelligence à mobiliser des ressources intellectuelles pour trouver des solutions aux problèmes complexes auxquels on doit faire face. Et quand je dis ça, c'est pas du tout fantasmé, c'est de dire, bon ben voilà, par exemple, je ne sais pas si ça existe, je vais prendre un exemple qui peut-être n'existe pas, mais il y a une entreprise d'événementiel. Une entreprise d'événementiel dont le sujet est d'organiser des stands dans les manifestations, dans les salons. On sait très bien que dans ces stands, on met de la moquette neuve pour que ce soit propre. D'ailleurs, c'est une moquette qui est faite pour être... Je ne sais pas si vous connaissez le film de Esposito, qui est un peu particulier, mais qui est vraiment très marquant, qui montre, en fait, c'est le début de l'histoire de ce film, c'est qu'il est près d'une décharge et qu'il voit arriver des espèces de la moquette rouge trois fois par jour. Et en fait, c'est la moquette du Festival de Cannes qui est changée 3-4 fois par jour, et qui est posée, sur laquelle quelques-uns marchent, puis qui est enlevée et mise à la décharge. On ne se pose pas du tout la question de savoir ce qu'on pourrait faire. Alors, on peut se poser la question, et c'est là où il faut sortir. À mon avis, c'est là où il y a la troisième voie. On peut se dire, c'est un scandale, jamais de la vie, c'est hors de question, on ne devrait pas utiliser cette moquette rouge, ils n'ont qu'à marcher sur les marches, ou alors ils peignent en rouge, et puis c'est comme ça. Et c'est parfois une vision... qui peut être une vision qui bloque le débat, parce que si on dit c'est pas possible, en fait on laisse comme seule alternative de faire comme d'habitude. Si on pose la question différemment, en disant très bien, il y a cette moquette et vous êtes obligé de la changer trois fois par jour, est-ce que, d'abord, quelle moquette vous posez, comment elle est fabriquée, d'où elle vient, et deuxième chose, qu'est-ce que vous en faites après? Est-ce qu'elle peut pas être réutilisée? Et bien on pose le problème différemment. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est cette question-là qui est au cœur de la manière dont les écologistes doivent réfléchir le problème. C'est-à-dire pas comme quelque chose qu'il faut par principe craindre ou mépriser, et pas non plus quelque chose qu'il faut accepter par principe. Et moi, je vais le dire, et ce sera ma conclusion, alors, c'est une blague pour tous ceux qui, ici, c'est le public idéal, mon téléphone, qui est très très vieux, hein, il a 2 ans et demi. C'est simple, je l'ai eu quand je suis arrivée au gouvernement, donc c'est une mnémotechnique. Il a donc le système d'exploitation de l'époque. Et donc, quand je prends des photos de mon écran, tout le monde me dit « Ah, il faut quand même que tu passes blablabla ». Sauf que, si jamais on change le système d'exploitation, alors le processeur n'est pas suffisamment puissant pour supporter le nouveau système d'exploitation. Et ça, je le dis, c'est parfaitement scandaleux. Je pense que là, nous devons pouvoir être capables de se dire que, y compris dans les nouvelles technologies, dans la manière d'utiliser, on doit pouvoir réussir à trouver, à travailler sur la consommation des ressources qui permettent à des nouveaux systèmes d'être moins consommateurs en ressources. J'ouvre le débat parce que sur ces questions d'obsolescence programmée, c'est décisif. Pourquoi? Parce que, à l'inverse, c'est un outil qui permet, outre qui permet aux mères de familles nombreuses de faire de la politique, c'est un outil qui permet aussi beaucoup de pilotage, beaucoup d'interactions, beaucoup de nouveaux moyens de consommation, qui permet de recréer de la proximité. On n'est pas très loin de l'aréole, où est né le premier
drive fermier, c'est-à-dire un lieu où on commande sur Internet tous les produits qu'on veut, chez les producteurs qui sont à proximité, on vient retirer son panier, qui n'est pas comme une AMAP avec des produits toujours prédéterminés, mais on fait ses courses auprès de producteurs de proximité. En gros, c'est comme si on allait au marché, sauf qu'on ne peut pas aller au marché parce que c'est le jeudi matin et que le jeudi matin, on travaille. Donc on retrouve de la proximité, la capacité à acheter des produits d'hyper-proximité avec un moyen qui est nouveau, qui est permis, qui est celui que permet la commande en ligne. Donc c'est tout ça, c'est cette interaction permanente et cette capacité à se poser la question en permanence de l'utilité collective et sociale des moyens qu'on utilise. C'est au final la vraie question qui nous oppose aux productivistes. C'est pas de savoir si on produit oui ou non, c'est qu'est-ce qu'on produit, comment on produit et pourquoi on produit. Et ça, à partir du moment où on s'est posé ces questions-là, ben on arrive à inventer des écosystèmes qui fonctionnent différemment. Et pour moi, c'est ça l'enjeu essentiel, et c'est aussi de le rendre lisible et visible, et c'est pourquoi je crois vraiment qu'il y ait des lieux, et ça, je fais le lien aussi avec les élus locaux notamment, qu'il y ait des lieux qui permettent cette émergence, c'est absolument nécessaire. Et donc, c'est un hommage à Napoléon qui a donc construit cette caserne, très bonne qualité pour organiser la guerre et qui finalement va permettre de montrer concrètement comment on peut faire au XXIe siècle la transition écologique. Beaucoup de choses pour rebondir sur ce que tu viens de dire et repartir sur Napoléon. Ce qui fait qu'on est performant énergétiquement, c'est la qualité de construction initiale. L'épaisseur des murs, l'inertie qu'on fait au bâtiment, le fait qu'on se passe de clim, c'est grâce à cette qualité de construction initiale. Donc c'est aussi un bel héritage dont on a aujourd'hui la jouissance et qui nous permet d'atteindre ces niveaux de performance puisque on est fiers d'être aussi un bâtiment BBC, alors qu'il est patrimoine exceptionnel qui n'était déjà pas gagné d'avance. Sur la notion de déringardiser l'écologie, effectivement on passe souvent pour des gens austères, des Khmer verts, des ayatollahs, moi en particulier, je joue parfois de ça, mais à côté de ça, dans Darwin, on a beaucoup, on n'a pas peur de le dire, le marketing du lieu. On est de la com au départ, ce qui paraissait très suspicieux quand on a lancé Darwin, parce que les bobos de la com qui veulent se faire un peu du fric sur le dos de l'écologie, c'était un peu tout trouvé comme angle d'attaque. En revanche, on l'a bien sûr jamais vécu comme ça, mais comme une façon de donner, je pense un peu de porte ouverte, vous avez vu partout, mais du désir à ce type de consommation alternative, de travail alternatif, d'accès au low-tech, parce que nous revendiquons beaucoup le low-tech ici. Il y a énormément d'activités associatives dans l'écosystème qui capitalisent, qui valorisent, qui promeuvent le low-tech, que ce soit dans la récup, le upcycling de vélos, de motos, sur le choix d'imprimantes 3D qui ne font pas des trucs futiles, mais des trucs utiles, refuser des locataires qui étaient justement dans une multiplication d'objets inutiles avec la 3D, au profit de ceux qui l'utilisent pour réparer ou faire des choses qui ont du sens. Voilà. Il y a aussi ces choix-là initiaux qui, pour trouver leur place dans l'écosystème et leur public, doivent aussi être marketés, doivent aussi trouver une cible et avoir une façon de se présenter qui est attractive. Notre épicerie, qu'on a créée de toutes pièces, on avait pu bosser avec Biocoop, on voulait faire autrement à notre façon et aussi le rendre plus sexy qu'un Biocoop. Donc il n'y a pas d'étagère en bois un peu cracra. Je suis désolé pour Biocoop parce que je les adore et c'est des précurseurs et des pionniers, mais je pense qu'on a une autre façon de faire qui est aussi peut-être un peu plus susceptible d'attirer des gens qui ne venaient pas naturellement au bio. Je respecte énormément tous les pionniers du bio, mais aujourd'hui on doit passer à une échelle supérieure, donc il faut aussi utiliser les outils qui ont permis à la consommation de masse de marcher pour la réorienter vers d'autres imaginaires et d'autres façons de consommer. Et utilisons ces outils, ces armes de la créativité du marketing, mais à des fins qui ont du sens et de l'utilité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. La ligne est très ténue, c'est une ligne de crête, parfois on peut se planter, on peut effectivement passer du côté sombre de la force et de ceux qui paraissent être des gros opportunistes bobos. Mais je crois qu'on se tient quand même à cette exigence de nos partis pris initiaux de conception, qui sont le low-tech, qui sont la sobriété, qui sont la décroissance, j'ose le mot, parce que nous, moi je me revendique fortement décroissant, et je le dis à Juppé dès que je le vois, le futur président peut-être, il l'a dit ce matin. C'est des messages qui passent par ce lieu, et pour terminer, ce que tu disais, c'est que c'est un lieu de convergence, je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une certaine, peut-être pas unanimité, mais en tout cas un consensus autour de Darwin qui fait que plein de partis politiques d'obédience très diverses se retrouvent ici, discutent et ont plaisir à venir, que ce soit le PS pendant la municipale avec l'UMP qui ont discuté ici souvent, que ce soit le Front de Gauche et les écolos bien sûr qui ont fait des meetings, qui sont venus débattre de transition énergétique, qui sont venus débattre d'économie sociale et solidaire, qui sont venus débattre de DIY et d'open bidouille. Voilà, c'est aussi un lieu un peu neutre de ce côté-là, mais porteur d'une vision
qu'on ne trouve pas trop ailleurs et qui leur permet d'être en terrain un peu neutre où ils ont plaisir à essayer de découvrir de nouvelles choses. Oui, moi je voudrais enchaîner sur le biocratra parce que je pense, et on va fêter les 40 ans de l'écologie politique, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'en vrai, sur l'écologie politique, sur d'ailleurs la critique de ce qu'était le progrès du XXe siècle, tout a été écrit dans les années 70. Ça ne sert à rien, même si certains écrivent très bien, de refaire un bouquin sur ce qu'est l'écologie, sur la critique du productivisme, sur les limites de la planète, sur le fait qu'on a à faire face à une crise d'un modèle de développement et pas une crise financière ou seulement une crise économique. Tout ça, il suffit de lire Gorce, c'est magistral et c'est terminé. Sauf que, depuis toutes ces années, et malgré ces pionniers qui avaient très bien dit les choses et qui ont eu raison sur à peu près tout, sur la pollution automobile, moi je rappelle souvent cette histoire parce que les comptes rendus du débat du Conseil régional existent. En 1992, les écologistes au Conseil régional d'Île-de-France votent contre les budgets pour les routes. Donc le sujet c'est de boucler la francilienne, de faire des tunnels, etc. On est en 92. Et ils disent que par ailleurs, parmi les nombreux arguments, ils avancent les dangers de la pollution automobile sur la santé. Et c'est écrit « rire sur les bancs de la majorité », qui en l'occurrence était de droite. Rire, rire sur les bancs. Et donc maintenant, évidemment, plus personne ne rirait, etc. Mais je trouve que la chose qu'on peut dire, c'est qu'on a perdu du temps. Donc on a un vrai sujet de moyens, c'est-à-dire que le diagnostic est posé. Les solutions même, on les connaît. La question, c'est comment on arrive. Comment on arrive à sortir d'une forme de ghetto où il y a des pionniers qui ont compris, où il y a des produits qui sont excellemment fabriqués. Pourquoi je parlais du drive fermier tout à l'heure, parce que justement, en fait, l'idée, c'est aussi d'utiliser ce terme de drive pour que les gens comprennent, pour que ce soit... Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est toujours cette ligne de crête. C'est de se dire à quel moment on utilise les moyens de ceux qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on se trouve. Non conventionnel et non soumis au marché et l'univers privé. Que les choses sont parfois beaucoup plus interpénétrées et que aussi... des entreprises se posent la question, et je crois que là on est en train de commencer à toucher du doigt une véritable réflexion de manière assez particulière sur la reprise par les salariés d'un journal qui s'appelle Nice Matin, qui était détenu par un grand groupe de presse, d'ailleurs pas que lié à la presse, qui est le groupe Persan, et qui se pose la question parce qu'ils sont confrontés à la réalité de faire eux-mêmes. Et je pense que nous aussi on doit se dire, et c'est aussi sans doute, même si Darwin appartient aux banques, vous n'êtes que les emprunteurs de la banque, hein, d'une certaine manière, la banque vous nous appartient aussi, parce que s'il n'y a pas d'emprunteur, il n'y a pas de banque. Enfin, moi, je pense que l'ennemi, c'est quand même la finance et qu'il faudrait continuer à travailler sur cette question, parce qu'il y a vraiment, vraiment des choses à faire craquer de ce côté-là. Et que, du coup, si on arrive à réfléchir pas seulement sur qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, mais qui détient, d'une certaine manière, la manière de produire et comment ces interactions existent, on réinvente là aussi cette question de progrès. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses qui sont en rupture totale, ni... organisationnellement, ni technologiquement avec ce qui existe, mais quand même, on invente un avenir qui est un avenir. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant autour de ces idées de liberté et d'espace où on peut réinventer, c'est que ce que vous faites ici, chez Darwin, comme le souligne. Je vais faire directement les questions, du coup. On va prendre encore deux petites questions de la salle, s'il y en a, si vous en avez. Qui est le propriétaire ici? C'est encore l'État? C'est la commune? C'est la région? Au niveau du foncier, comment ça s'est passé là, sur le plan? Alors, le foncier, vous êtes, pour ceux qui ne sont pas bordelais, Bordeaux s'est constitué beaucoup sur la rive gauche, celle de la ville de Pierre, très belle. Et sur la rive droite, traditionnellement, c'est des activités polluantes, des friches aujourd'hui ferroviaires, militaires, industrielles. On est ici sur une friche à la fois militaire, Cécile le disait, l'ancienne caserne Niel, 10 hectares, et une friche ferroviaire qui l'environne, 20 hectares. Donc on est sur 34 hectares de foncier disponible dans lequel les élus ont prévu de faire un éco-quartier. Nous, le groupe Évolution que je représente, familial, petite boîte, a acquis, en empruntant beaucoup, un hectare de cette friche, les bâtiments que vous voyez en face et quelques petits bâtiments défraîchis derrière, qui constituent le lieu où on a fait germer et éclore Darwin. Mais c'est qu'un hectare dans 34 qui ont vocation à être un futur écoquartier et qui se fait au rythme de l'inertie de ce genre de projet, c'est-à-dire ils ont commencé bien avant nous et ils termineront bien, bien après. Ce n'est pas du tout les mêmes dimensions non plus. Mais nous, on essaye un peu de donner le ton en poussant les exigences, notamment écolo, assez haut,
Et en face de nous, il y a des aménageurs, il y a des promoteurs, il y a des équipes d'urbanistes de réputation internationale. Voilà pour le titre. C'est la CUB qui est propriétaire du foncier. Et pour ce qui est de Darwin, c'est nous qui sommes propriétaires de cet hectare. On veut surtout les intégrer au site. Il n'y a pas vocation à être le village gaulois. Et on n'a pas de subvention, très peu de subvention. On va essayer de faire seul pour ne pas être dépendant du chantage à l'emploi ou d'être redevable de choses qu'on ne saurait pas tenir. On essaie de faire un modèle qui tient lui-même. Donc sur 20 millions d'investissements global sur tout un tas de choses, c'est lourd tout ça, on a eu, si j'agglomère tout, 1 million de subventions, ce qui n'est pas neutre du tout en valeur absolue, mais qui en relativement à la valeur globale d'investissement n'est pas grand-chose. 20 millions d'euros ? Eh oui, ça ne se fait pas avec rien. J'ai deux questions, donc on va prendre les deux questions qui sont courtes. Ouais. Donc Sylvain Giraud, moi je fais partie de la commission culture Europe Écologie et les cahiers des charges, on en parlait, c'est quelque chose, délégation de service public, c'est quelque chose qui assèche énormément dans tout ce qui est éducation populaire, éducation artistique. Enfin, la question c'est quoi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont prêts à se lancer dans un gros projet immobilier avec des belles envies, est-ce que je te les envoie en stage, est-ce que, comment ça se passe quand on a réussi quelque chose d'aussi particulier, parce que c'est difficilement transposable, en même temps il y a peut-être des méthodes, il y a de l'expérience, comment on essaie? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Nous, on a déjà voulu réussir ce qu'on faisait ici. On s'est focalisé sur ce projet qui est très chronophage, comme vous l'imaginez, et qui mobilise toute notre énergie. On a aujourd'hui une équipe de 10 personnes. C'est assez lourd, au-delà de tous ceux qui gravitent dans l'écosystème. Mais on a beaucoup de délégations qui viennent nous voir, des élus, des urbanistes, des architectes, des étudiants, des citoyens, des associations, des porteurs de projets. Là, on ne compte pas notre temps pour les accueillir et leur raconter les choses. Moi, j'en suis à ma 2 millionième visite, sans doute. J'ai toujours autant plaisir à raconter ce qu'on fait, à essayer de donner un certain nombre de clés. En revanche, c'est une alchimie particulière. C'est effectivement des personnes, de la chance, un lieu, un contexte politique, des acteurs économiques, tout ça qui a su s'imbriquer dans un contexte particulier. Donc, moi, je prétends qu'on ne peut pas transposer Darwin partout, mais créer des conditions du possible pour que ça ait lieu ailleurs, oui, et il y a un certain nombre de facteurs clés de succès qui sont quand même identifiables et dont on peut parler pour essayer de former. Alors on n'a pas encore d'offre de formation, c'est plus empirique, mais on ne compte pas de notre temps pour le faire en tout cas, et si tu as des stagiaires ou autres, ben, envoie-les-nous. On a aussi nos stagiaires qui relaient nos visites parce qu'on n'en peut plus quand même. Oui, une question courte, Salah des Yvelines. On a planché pas mal ce matin sur la question de la communication de notre parti. Et on sait qu'on a un déficit par rapport à l'entreprise, et on est vu d'une manière un peu, comme vous l'avez souligné Cécile, un peu rétrograde, etc., retournant vers le passé. Moi, la question que j'aimerais nous poser tous, c'est comment multiplier l'exemple de Darwin, de Dunkerque à Marseille, et qu'on développe une politique de communication comme vous le faites, jeune homme, le promoteur de ce beau produit, de ce bel endroit, et qui à la fois qui réutilise la mémoire, parce que c'est la mémoire des lieux, et heureusement qu'on a une France conservatrice, c'est vrai qu'elle conserve certaines idées parfois néfastes, mais elle conserve bien quand même les biens. C'est pas ce qu'il a été conservé, on trouve que vous l'avez aménagé d'une manière très très belle. Donc comment devenir un parti qui promeut l'entreprise d'une manière autrement, vous avez dit ça. On ne se voit pas uniquement un parti qui est contre la croissance, etc., mais la promotion, qu'on devient des écologistes entrepreneurs. Ah, moi je pense que si j'avais la solution magique, ça se saurait, hein, mais... je pense qu'en fait, c'est comme cette question de la communication, en fait, c'est un peu le même sujet que la question du progrès. C'est qu'on est dans des rapports à des notions qui sont des notions contre lesquelles les écologistes se sont construites. C'est comme la notion de l'État. Pourquoi l'écologie politique s'est construite dans le pouvoir et dans la méfiance vis-à-vis de l'État? Parce que l'intérêt général porté par l'État dans les années 70-80, c'était un intérêt général de 60, très brutal, on méprise tout le patrimoine, des écosystèmes, des gens qui y vivaient, il fallait faire passer une ligne de TGV, on faisait passer une ligne de TGV, il fallait faire la gare Perrache,
on se préoccupait peu de savoir s'il y avait des gens qui y habitaient, etc. Donc cette préoccupation-là, des écologistes, elle s'est construite du coup dans une logique de contre-pouvoir. Et elle s'est construite aussi très fortement contre cette idée de progrès qui était vue comme une idée négative. Ce qui fait qu'à l'inverse, par effet de boomerang assez naturel, sont renvoyés aux écologistes l'idée que les écologistes, c'est retour à l'âge des cavernes. Alors j'aime bien, je crois que c'est de Michel Serres, l'idée de dire qu'on ne peut pas retourner dans les cavernes parce qu'il n'y a plus assez de cavernes pour tout. Donc la question est réglée. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que sur toutes ces thématiques-là, il y a une forme de mutation à faire, comme la mutation de ce lieu. C'est-à-dire que d'arriver à penser que d'un lieu alors, on pourrait imaginer, je vais aller jusqu'au bout de l'histoire pour dire, les écologistes ont tout gagné. Ils sont présidents de la République, ils gouvernent 80% des communes, etc. Et donc ils disent qu'ils ne veulent plus voir de traces. Live tweet est exactement ce que je viens de dire, j'ai encore plein de problèmes. Donc ils détruisent toutes les casernes. Logique. Ça aurait été très dommage, puisque c'est bien dans une ancienne caserne dont les murs étaient très épais, sans doute pour résister aux boulets, mais qui du coup deviennent des éléments extrêmement utiles pour ne pas avoir besoin ni de chauffer beaucoup, ni de rafraîchir en été dans des bureaux où on travaille, on ne peut pas travailler à 40 degrés. Donc ça aurait été une erreur. Ce qui prouve bien que la question, de mon point de vue, l'enjeu du progrès du XXIe siècle, c'est la mutation de l'idée des outils du progrès du XXe vers une autre notion. C'est ni le refus de cette notion-là, ni l'adhésion à l'idée que du progrès viendraient toutes les solutions. C'est ce discours sur en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, du coup on a le nucléaire, et du coup on est autonome en énergie. Depuis 1989, on ne produit plus un gramme d'uranium en France, mais quand même, le mythe reste. Et donc, on est face à des mythes qui sont très puissants, et face à ces mythes-là, il faut reconstruire d'autres imaginaires. Et c'est exactement ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. C'est que ce qui nous a manqué, c'est de reconstruire un imaginaire qui soit un imaginaire encourageant. Parce que moi, j'entends bien l'idée de décroissance. De toute façon, je me souviens avoir dit il y a quelques années, quand on balançait le terme des écologistes et pour la décroissance, je disais, ce qui nous pend au nez, c'est la récession. C'est ce que nous risquons de vivre. Et c'est autrement plus violent et brutal qu'une décroissance sélective et équitable bien menée. Mais n'empêche qu'on peut quand même se dire que même si ce mot a été inventé pour être un mot obus, un obus, c'est rarement convaincant. On peut céder à un obus, mais rarement on peut être convaincu. Même nous, d'ailleurs, écologistes, pouvons le dire. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de construire un imaginaire, de construire cette idée de progrès différent au sens de l'idée de progrès telle qu'on l'a vécue jusqu'à aujourd'hui, qui est une des clés du succès, de la réussite et de la généralisation de projets qui, contrairement à ce qu'on peut croire, et c'est ça vraiment la force, à mon avis, de projets comme Darwin, c'est que ce n'est pas des marginaux. On pourrait imaginer qu'énormément d'activités se développent de cette manière-là. On peut très bien imaginer qu'une partie du site y ait une usine d'embouteillage, par exemple. Pourquoi ça gênerait si on arrive à travailler de manière utile et si une partie de l'énergie non utilisée de la chaleur produite par les machines est utilisée pour autre chose. Moi, je me souviens d'une rencontre vraiment très marquante avec les syndicats de Florange qui avaient expliqué qu'ils trouvaient quand même vraiment très, très stupide de brûler une partie de la chaleur et de l'énergie, pardon, des gaz, dans les torchères. Et qu'ils se demandaient pourquoi on n'utilisait pas cette chaleur pour le chauffage urbain. Eh bien, je pense que toutes ces pistes-là, toutes ces capacités d'interaction, elles existent et qu'il faut les laisser émerger, mais qu'il faut aussi leur donner un imaginaire positif. Parce que quelle a été la force de la société de consommation et du progrès au sens du progrès technique? C'est celui d'avoir un imaginaire qui était un imaginaire enthousiasmant. Et c'est, à mon avis, l'enjeu le plus décisif qui est. Un peu de retour à la caserne, on peut faire un retour à la caserne. Il y en a un peu plus de militaires, les gars. En fait, entre l'hommage de ces filles-là à Napoléon et le retour à la caserne de toi, si on fout de ça, c'est la catastrophe. Non, bah merci beaucoup à tous les deux. D'habitude, dans les débats, il faut faire le ping-pong. Essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Voilà, vous vous êtes autogérés et nous on a fait peur ouverte et c'était parfait comme ça, donc vraiment merci beaucoup à vous deux.